ici les confinements s'étendent, vous vous êtes préparé à en faire face avec persévérance, malgré les difficultés inhérentes au contexte sanitaire. La majorité d'entre vous ont fait connaissance et se sont retrouvés fin avril dans un temps de prière de partage avec notre service et le berger de l'Église, à qui vous avez donné votre lettre de demande. À la lecture de vos lettres et à l'écoute du partage, ensemble nous avons rendu grâce au Esprit Saint qui est déjà à l'œuvre dans vos vies. C'est manifesté dans votre histoire, dans votre quotidien. Pour l'un, c'est une belle influence lors d'un pèlerinage à vous. Pour d'autres, c'est l'éveil à la foi de la famille chère de vos enfants. Ou encore pour certains, le désir de fonder votre foyer sous le regard de Dieu. Parfois, aussi l'épreuve ou la maladie qui a permis à certains d'entre nous de vous tourner vers celui qu'on appelle encore l'Esprit Saint Consolateur. Pour d'autres encore, il a déjà sonné l'envie et la force de témoigner et de servir. Alors, je souhaite maintenant la bienvenue aussi à vos parents et marraines. La plupart du temps, ils sont extrêmement touchés par la confiance que vous leur accordez et ils s'engagent aujourd'hui à vous porter pour vous soutenir dans votre vie chrétienne. Bienvenue aussi à tous vos frères, aux accompagnateurs, attentifs et vigilants, aux chers de public semés dans vos cœurs qui vous demandent à grandir. Ils s'efforcent d'être les témoins de l'amour de Dieu pour chacun et chacune de vous. Bienvenue maintenant à toute notre assemblée. Oui, Dieu nous a tous appelés. Heureux de répondre à son appel. Père, au souffle de Dieu, nous entrons dans cette célébration en écoutant Stéphanie, la compagnatrice d'Annie, qui va maintenant partager le bonheur et la vie qui grandit en elle dans son service aux familles humaines et confinantes. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 38 ans. Je suis la compagnatrice et référente pour le cadre culminant sur la parole de la Chambre. Je suis moi-même ancienne catéchumène, j'ai été baptisée le 7 avril 2017. Je me souviens, un peu de temps avant ma naissance, j'ai annoncé à une de leurs compagnatrices pour un petit la reine de l'accompagnement, la reine des plantées dans Saint-Anne-du-Séra, n'est pas que oui, je le pense, sous une autre forme aussi, et je viens de découvrir qu'il n'y a pas si longtemps. Depuis 2017, donc, il y a eu une carte d'accompagnement, tout très riche en rencontres, en échanges, en amitié. Les plus marquants pour moi sont ce petit mari et une amie qui demandait la peine, ou des filles il y a 3 ans qui demandaient la confirmation. Vous faites Laetitia pour la première communion. Toutes ces expériences sont des premières semaines, le petit pouce est devenu timide avec la douleur. Et je n'oublie pas non plus le passé Bastien qui m'a fait confiance et lui qui m'a apporté l'eau et une tout nécessaire pour moi. Si bien qu'aujourd'hui ma tête de l'air est en train d'être nationale. Je vous parlerai d'une autre forme d'accompagnement. J'ai commencé par le premier départ. Je vais en faire un petit peu. Je suis actuellement en formation pour devenir conseillère en insertion professionnelle. Bien enfin, pour ces petits accompagnements, c'est le lien. Lors de rencontre avec Olivier Bernardel, le père André de la Pinsito, je trouvais que mon représentant, il nous avait dit que l'esprit saint, c'est la triple conjonction de coordination, qui est le et qui nous dit à nous. Quand j'accompagne les catéchumènes et en commençant, je deviens moi aussi ce et je me trouve sur mon lien, qui est la faire connaître Dieu, et c'est vraiment une expérience merveilleuse, car cette parole de Jésus prend tout son sens. Et moi, je prierai le Père, et il demeurera un autre oracle, afin qu'il demeure éternellement avec nous,
Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Parole du Seigneur.
saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mais les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. Selon le même esprit, un autre reçoit dans le même esprit le don de la foi, un autre encore dans le même esprit le don de guérison, à un autre est donné pour guérir des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est lui et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Parole du Seigneur. Louange à Dieu, fait au Seigneur. Vous allez recevoir dans quelques instants le sacrement de la confirmation. Terme d'un cheminement parfois long, pas toujours rectiligne, mais toujours beau. Vous demandez à l'Église de confirmer votre baptême. Juste avant de recevoir ce sacrement, vous allez faire profession de foi. Vous allez redire de vous situer dans cette longue lignée de chrétiens qui mettent leur foi
leur confiance dans le Christ. Il y a là une sorte de dépossession. Ce ne sont pas vos mots que vous allez utiliser. Il est probable que si sur certains de ces mots, je vous demandais cet après-midi, je vous demande de me donner une définition précise, vous pourriez parfois être un peu embarrassé. Mais ce ne sont pas vos mots que vous allez utiliser, mais les mots que nous donne l'Église. Vous acceptez d'entrer dans un mystère qui nous dépasse tous. Vous acceptez de ne pas tout maîtriser, mais de donner votre confiance. Une dépossession, vous allez aussi en vivre une avec ce sacrement de la confirmation. En recevant l'Esprit Saint, le don de Dieu, vous acceptez de laisser Dieu vivre en vous. Vous acceptez que vos paroles, vos pensées, vos actions, et Dieu pour origine, il ne soit donc peut-être pas exactement comme cela aurait été si vous aviez décidé tout seul. Là encore, il faut une grande confiance en celui que vous laissez agir en vous. Nous savons que ce n'est pas si simple et que nous sommes tous tentés régulièrement de reprendre la direction des opérations. Mais c'est quand on voit ce que cela produit, de laisser Dieu agir en nous, c'est quand on voit ce que cela produit, on en découvre l'importance. Confirmé, vous allez avoir une place nouvelle dans l'Église. On dit parfois que vous devenez les chrétiens adultes, responsables de la vie de l'Église. Sur vous repose l'Esprit du Seigneur, avons-nous entendu dans la première lecture. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit en vue du bien, avons-nous entendu dans la seconde lecture. Et dans les deux textes, était alors citée la grande diversité de ce que peut produire l'Esprit chez les uns et chez les autres en vue du bien de tous. Vous êtes tous très différents. Cela est bien apparu quand nous nous sommes rencontrés. Cela est bien présent dans vos lettres. Et ce sont justement ces différences qui vont vous permettre de témoigner de votre foi auprès du plus grand nombre. L'Esprit Saint ne cherche pas à uniformiser, mais il cherche à permettre à chacun, à chacune, de déployer ses charismes, ses dons. J'ai été marqué lors de l'échange que nous avons eu et dans les courriers que vous m'avez écrits par la diversité des événements, des éléments qui ont pu vous mettre en route vers ce sacrement. Pour certains d'entre vous, c'est un témoignage très explicite, entendu par exemple
à l'occasion d'un parcours alpha ou de rencontres avec des chrétiens de votre entourage. Pour d'autres, cela aura été l'invitation à accompagner votre enfant pour la préparation d'un sacrement, pour la catéchèse. Pour d'autres encore, cela aura été la découverte de chrétiens engagés au service des autres, découvrant le Christ à l'origine de leur engagement. Engagement dans les jardins secondaires, au secours catholique, auprès de migrants, dans l'aide aux devoirs. Certains d'entre vous ont aussi été marqués par la qualité de présence, la qualité de vie d'un membre de votre famille, souvent des grands-parents. Les questions posées par la maladie, par la mort d'un proche, ont aussi dû être des éléments déclenchants. Et l'écoute, la présence de chrétiens dans ces moments-là ont pu être décisifs. Eh bien, ce sera maintenant à vous de mettre l'autre en route sur le chemin de la foi. Ce sera à vous de les accompagner vers le Christ. Vous avez eu la chance d'avoir sur votre chemin des personnes qui vous ont marqué. Il faudra maintenant que d'autres personnes aient cette même chance grâce à vous. Vous êtes tous et toutes différentes. Les dons de l'esprit sont variés et il sait faire avec la personnalité de chacun, de chacune. Voilà notre atout pour que la bonne nouvelle soit annoncée et entendue. Au moment de l'imposition des mains, au moment de l'onction, vous pourrez être attentif aux mots qui seront dits, aux paroles qui seront chantées. Rendez-vous disponible, rendez votre cœur disponible pour que cela puisse se produire en vous. Et demandez au Seigneur de vous montrer les lieux où il compte sur vous. Demandez au Seigneur de vous montrer les personnes vers qui il veut vous envoyer. Tout à l'heure, vous entendrez dire « Sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu ». C'est un magnifique cadeau que vous allez recevoir. Il fasse de vous des êtres rayonnants et missionnaires, chacun, chacune, avec ce que vous êtes.
Et je vais maintenant vous appeler, chacun, chacune, à votre tour. Pascal Lillic, Christelle Bourdicot, Marie-Pierre Cagnard, Céline Carré, Jonathan Chenguan, Jean-Camille Isidore Lemléga, Léontine Goli, Ulysse Laurent, Hélène Pérenou, Marianne Thierry, Ayam Yaouzade, Anne-Lise Bornier, Emeline Lambert, Désirée Pierrette, Raphaël Yerno, Carole Boulesque, Benti d'Allemagne, Quentin d'Allemagne, Jean-Baptiste Duménil, Thomas Lépinet, Michael Noelia Mirello, Christella Radanfin Raibé, Jessica Rada, Luc Razafin Rafié, Lucia Razafin Raibé, Thibaut Razafin Raibé, Jérémy René Corail, Gillian Théophile, Émilie Zavoli, vous avez manifesté votre désir d'être confirmé. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé devant tous ceux qui sont ici. Je vous demande de répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, nous le voulons. Dieu est notre Père. Il nous a créés à son image, par son Fils et par l'Esprit Saint. Tout vient de lui. Et nous sommes faits pour lui. Croyez-vous en Dieu le Père qui nous aime et qui nous appelle? Oui, nous croyons. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Tout a été créé par lui. Pour nous les hommes et pour nous sauver, il s'est fait homme. Il est mort sur la croix. Dieu l'a ressuscité. Il est vivant auprès du Père. C'est par lui que nous recevons l'Esprit Saint. Croyez-vous en Jésus-Christ vivant aujourd'hui, qui est avec nous et nous conduit vers le Père? Oui, nous croyons. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacun d'entre nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les hommes et nous aide à prier le Père. Croyez-vous en l'Esprit Saint qui aime et rassemble l'Église? J'invite l'Assemblée à se lever. Nous entourons aujourd'hui de notre affection ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi.
Ils devront toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous, que sa foi soutient notre foi. C'est pourquoi je vous invite, vous qui êtes présents autour d'eux cet après-midi et qui partagez notre foi, à l'exprimer avec moi devant les confirmants. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit ? Le père Jérôme et les prêtres qui l'entourent vont maintenant imposer les mains sur tous les confirmants. C'est là un geste biblique par lequel on appelle le don de l'Esprit. Un geste repris par les apôtres qui, après avoir été remplis de l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte, le transmirent eux-mêmes à tous ceux qui devenaient croyants. Avant que ce geste soit posé, implorons l'Esprit Saint. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, viens dans nos cœurs. Viens, Esprit, nous visiter. Viens, Esprit, nous vivifier. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, oiseau de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de charité, viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Viens, Esprit, nous rassembler. Viens, Esprit, nous embraser. Viens, Esprit, nous recueillir. Viens, nous t'attendons. Esprit de Dieu, souffle de vie. Esprit de Dieu, souffle de feu. Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies. Tous ensemble, recueillons-nous, prenons un moment en silence, pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, en silence, prions. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité. Il demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ.
Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. C'est avec l'huile parfumée qu'on appelle Saint Crème, l'huile consacrée à la célébration de la messe chrismale, que le père Jérôme Mertier, le père Jean-Marc Gand vont marquer le front de chacun des confirmants. Ce geste accompagné de la parole soit marqué de l'esprit, le don de Dieu, signifie pour chaque confirmant que l'Esprit Saint sera toujours avec lui, pour l'aider à connaître le Père et à l'aimer de tout son cœur. Comme cette huile parfumée qui répand une bonne odeur, chacun est appelé à répandre par l'élan et la joie de sa vie la bonne nouvelle de Jésus. Parole, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Emeline, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Hélène, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Céline, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Raphaël, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Marie-Pierre, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
Mariam, soit marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Veni Sancte Spiritus. Viens en nous, viens, Père des pauvres, viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs, veni Sancte Spiritus. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîche, veni Sancte Spiritus. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre de nos âmes, dans les pleurs, le réconfort, veni Sancte Spiritus. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, veni Sancte Spiritus. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti, veni Sancte Spiritus. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, veni Sancte Spiritus. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, ce qui est faussé, veni Sancte Spiritus. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes sept dons sacrés, veni Sancte Spiritus. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle, veni Sancte Spiritus. Amen.
Dieu notre Père, tu fais pour nous tant de merveilles. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus, qui nous a promis l'Esprit Saint, Esprit d'amour, Esprit de lumière. Alors, nous te prions. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour tous, celles et ceux qui viennent d'être confirmés, que l'Esprit Saint établisse en eux sa demeure, qu'il leur donne la force d'avancer dans la confiance et la joie sur les chemins de la vie. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de leurs parrains, marraines, accompagnateurs, que l'Esprit Saint répande sur eux ses dons de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, pour être auprès de ceux qu'ils accompagnent le reflet de sa lumière. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour notre Église diocésaine, pour le pasteur qui sera appelé comme évêque de Troyes, pour nous guider et nous accompagner dans notre mission, que l'Esprit Saint répande ses dons de sagesse et de discernement sur ceux qui ont la charge de son choix. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour le Père Marc Stinger, en communion avec nous tous ce jour, serviteur de la grâce par la célébration de tant de sacrements, que l'Esprit Saint vienne illuminer sa vie présente et accueille notre action de grâce pour tout ce qu'il a apporté à notre diocèse. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Pour nous tous, que cette célébration de la confirmation a rassemblé, que l'Esprit Saint nous garde dans l'unité du corps du Christ et nous donne l'audace et la joie des apôtres pour témoigner et porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité là où nous vivons. Esprit d'amour, Esprit de lumière, viens illuminer l'Église de Jésus. Dieu notre Père, nous croyons que tu accueilles notre prière et toutes celles qui habitent au fond de nos cœurs. Nous pouvons te faire confiance et ensemble, nous voulons te redire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nos offenses à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne sommes pas en train de nous offenser.
car c'est à toi qu'appartient le règne de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous remercions chaleureusement l'animateur de chant, Laurent Bischoff. Le père Dominique Roy, recteur de la cathédrale, et tous les acteurs de cette célébration. Chacun, selon ses moyens, peut participer à la vie de notre Église et soutenir le service diocésain du catéchuménat par une offrande matérielle. À la sortie, des corbeilles vous seront proposées pour recueillir vos dons. Soyez-en remerciés d'avance. Compte tenu de la situation sanitaire, nous sommes obligés de respecter un certain nombre de mesures. Merci d'emporter avec vous le programme de la célébration et de ne rien laisser à votre place. D'autre part, nous le regrettons, nous ne sommes pas autorisés à nous retrouver pour le verre de l'amitié. Nous demandons donc à toute l'Assemblée de ne pas se déplacer pour rejoindre les confirmés, mais de quitter en premier la cathédrale. Les confirmés sortiront en dernier et vous pourrez ainsi poursuivre ce temps de fête en famille. Quant à vous, chers amis confirmés, vous avez tous une paroisse. Alors, allez rejoindre votre communauté chrétienne demain dimanche avec votre écharpe rouge pour célébrer la fête de la Pentecôte et à donner un court témoignage qui réveillera le don de Dieu dans le cœur des baptisés et peut-être incitera d'autres à demander ce sacrement. Un petit message, là, c'est pour les accompagnateurs. Si la situation sanitaire le permet, nous vous rappelons que vous serez conviés à un temps de recollection le samedi 12 juin de 9h30 à 16h30 à la Tuilerie, communauté des sœurs oblates de Saint-François-de-Sales à Saint-Paroterre. D'ici là, des informations plus précises vous seront données par mail. Bonne journée à tous et merci. Il me reste à vous envoyer, certains que ce sacrement va produire du fruit, va produire beaucoup de fruits, et dans votre vie, et pour l'Église, et pour le monde. Alors que le Seigneur soit avec vous. Pour la grande bénédiction solennelle, vous pourrez acquiescer par trois fois avec votre Amen. Aujourd'hui, le Père de toute lumière a envoyé l'Esprit Saint au cœur des disciples du Christ. Il les a illuminés. Que ce même esprit vous pénètre et sanctifie en vous ses dons. Amen. Que le feu d'en haut, venu sur les disciples, consume tout mal au fond de vos cœurs et vous fasse porter au monde sa lumière. Amen. C'est l'Esprit qui a rassemblé des hommes de toutes langues dans la profession de la même foi, qu'il vous garde fidèle à cette foi et dans l'espérance du jour de Dieu. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et salut dans la force de l'Esprit, car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité. Annoncer la vérité, crier de joie.
Il a racheté nos vies, il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme, il offre le salut, don gratuit de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité. Il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là avec nous pour toujours. Pour porter la joie, il nous envoie messager de son salut. Pauvre serviteur qu'il a choisi, consacré pour l'annoncer. Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein. Gloire à notre Dieu, roi tout-puissant, éternel est son âme.